Bonjour tout le monde. Mercredi 18 septembre, c'est notre 11e jour de marche. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. Avec ses côtes escarpées, ses petites criques, ses mythes et ses légendes, elle impose sa beauté naturelle et un engouement qui ne se dément jamais. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des Douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudens et des Korrigans, où chaque menhir raconte un mythe, où la bruine adoucit les visages, bercé par le bruit des vagues et le chant des goélands, rythmé par la musique celtique, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Voilà où nous avons dormi cette nuit. Françoise est en train de ranger ses affaires. Moi, faut que je fasse pareil. Et puis après, on va décamper. Alors, la vidéo d'hier soir, la numéro 10, n'est pas passée. On n'a pas du tout d'internet. Mais alors, vraiment pas du tout. Et c'est la première fois que ça nous arrive. Pas du tout d'internet. Pas d'internet, ça veut dire qu'on n'a même pas pu organiser notre journée d'aujourd'hui. Alors, il va falloir qu'on parte d'ici, puis qu'on trouve un endroit où il y a de l'internet pour envoyer la vidéo et aussi qu'on puisse s'organiser pour savoir où est-ce qu'on va. 9h30. 9h30, nous quittons le camping. J'ai pu avoir un petit peu d'internet. Nous allons jusque Erquy. Pause, café et jus de fruits. Je profite d'avoir un petit peu de réseau pour publier la vidéo d'hier, l'épisode numéro 10. Et puis là, je vais regarder combien de kilomètres on a fait hier et combien on va en faire aujourd'hui. Le verdict est tombé. Hier, on a fait plus de 18 kilomètres. Et aujourd'hui, on va en faire 13,5. C'est reparti et c'est reparti pour 7 km. Aujourd'hui, on a prévu une petite étape. On va pouvoir se reposer un petit peu de la journée d'hier. Et de nos petits bobos. Ouais, les petits bobos. Parce que vous avez vu hier, hein, Françoise, elle s'est fait attaquer par une huître. Laurent, on a des belles ampoules. Ouais, c'est même pas des ampoules, ce sont des cors aux pieds. Et comment on appelle ça, les yeux de perdrix. Hier soir au camping, on a eu des Hollandais qui étaient à côté de nous, qui ont été super gentils. Ils nous ont préparé deux sandwichs pour ce midi. Ils nous ont donné aussi des petits gâteaux, deux chocolats. Ah, il y a vraiment des gens qui sont gentils avec les randonneurs. Blows me low home.
zeg a perugen Alleis wat u die zachen bar zo gerben Ik reis razen na bichon Bis getoe in peder bied Des is quese die rezen a lezen estren Dat hen wale na guna Peder wacht gan ad het haar Los que loa gante me de mode gauchan Talan tibras e kreske Kreske rechoz en nive Droog bat galon gant ouvre a prej de frisel Je braise au Tihuni, un ministre au Tijuni, Mogherioul n'a lu du Moghet Huel. A Sawan, mon Palaman, a Tawan, mon Palaman, à la con de Jean. Sawam o palaman, at kawam o palaman, ala kon de jom to, brejou breiz obro. A vos samet o brejou, kwen vos gervel den envo. Kuchen palamon del meravro De nebi kenese yo Med saud ober wadro An istora ya bod laman e del avro At sawam o palamon At kawam o palamon A la kon de jane to Bonjour reiz obro At sawam o palamon Incroyable ce qui vient de nous arriver. On avait repéré un camping à Erki. Alors on y est allé, mais on s'est cassé le nez. C'était plutôt ville morte. Il n'y avait personne. Et impossible de trouver un autre endroit pour dormir, parce qu'on n'avait pas d'internet. Du coup, on s'est dit qu'on allait se rapprocher du centre-ville et qu'on arriverait peut-être à trouver une solution. Finalement, Françoise a demandé des renseignements à un monsieur, et il se trouve que ce monsieur, il avait justement un petit terrain de camping, et il s'est proposé de nous y emmener. Et voilà, donc, où est-ce que nous sommes installés. Tout ça, grâce au sourire de Françoise. Alors ce monsieur, il nous fait ça gratuitement, vraiment très gentil, et il nous a même confirmé que le camping où nous étions hier, c'est le plus grand camping d'Europe. Ce qui est bien aussi, c'est que nous sommes à 500 mètres du centre-ville, et bon, sans sac à dos, c'est faisable. Surtout qu'on peut peut-être manger une crêpe, ou des fruits de mer. Parce que je pense aux huîtres, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Nous venons nous promener dans Erki. Bon, c'est un petit village sympathique.
Là, on est en fin de saison, donc il n'y a plus beaucoup de monde. Et nous allons manger dans une crêperie. Et comment s'appelle cette crêperie? Chez Sylvie. Bonjour Sylvie. Bon, on en connaît pas mal des Sylvie. Alors bonjour, bonjour Sylvie. Allez, je vais arrêter cette vidéo ici. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde, même aux Sylvie. Au revoir, à demain. Je vais voir chez Sylvie. Ah, chez Sylvie, c'est ici. Voilà. Crêperie.